tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de la série Swift Academy. Nous continuons toujours avec la construction d'un petit EDSL, un Embedded Domain Specific Language, afin de construire une petite API de gestion des textes et des NS Attributed String au niveau de langage Swift. Au niveau de la dernière épisode, on s'est intéressé à la construction à la base de Result Builder afin d'écrire un code assez déclaratif, très proche du code utilisé au niveau de Swift UI, et d'utiliser aussi la nouvelle API Preview afin de faire ce qu'on appelle des playground tests, un auto-loading test, afin qu'on change à chaque fois et on regarde le changement en UI kit, un petit preview, très sympa. Qu'on a intégré à la base d'une petite classe qu'on a appelée MyCustomView afin de tester sur un label les transformations qu'on a fait. On aimerait bien améliorer notre code et de le rendre un petit peu plus générique sans l'utilisation des textes d'une manière proche de ça. C'est-à-dire on aura seulement des chaînes de caractères qu'on va les écrire d'une manière verticale. Et on aimerait bien ensuite avoir le même résultat qu'avec le texte. Et du coup, ça sera l'objectif de cet épisode. On aura des erreurs, et c'est normal, parce que derrière, nous, le système attend à avoir des attributs de string et non pas des strings. Et du coup, il faut faire un changement au niveau de notre code afin d'assurer ça. L'idée que je propose, c'est de partir vers l'utilisation d'un protocole. Et ce protocole nous permet de convertir un string vers un NS Attributed String et de reconstruire notre méthode block ici, buildBlock, qui nous permet de rassembler les éléments à la base de notre reducer, si on peut dire. OK? On commence avec la déclaration de notre protocole, qu'on va l'appeler. String converter ou bien convertible, si on peut dire, ok, on va appeler ce string convertible et on va avoir une fonction convert qui convertit vers un NS attributed string. Derrière, on va utiliser à la place de ce NS attributed string, on va passer des string convertible qui représente l'ensemble de nos éléments et on va retourner un résultat de type string convertible, ce qui implique que ici on va retourner aussi un string convertible. Bien sûr, là ça va pas marcher tout simplement parce que derrière on a une valeur initiale de type NS mutable string et on attend logiquement à la fin le compilateur il attend avoir un résultat de type attributed string et non pas un convertible, un string convertible. Et du coup, cela implique que à la fois la classe string et aussi la classe attributed string doit se conformer à string convertible afin qu'on puisse retourner ce résultat. C'est du coup on va utiliser l'extension sur un string qui va implémenter le protocole string convertible et derrière on va implémenter le protocole maintenant et retourner à partir d'un string un NS attribut de string et si je ne me trompe pas on a une méthode au niveau de NS attribut de string qui prend un string et retourne un NS attribut de string du coup ça va prendre un self. Et ça va normalement retourner, mais je vois pas l'utilité. En tout cas, je pense qu'on est bien ici. Pas besoin d'avoir même le attributed, le NS attributed. Normalement, on est au niveau de cette méthode, on est bon. Normalement, on peut se limiter à ça. Je pense que ça marchera. Aussi. On va prendre un string et on va retourner un NS attribut de string. Et aussi,
Pourquoi? Parce que on peut ici, bien sûr, venir et faire un point convert, mais c'est pas suffisant. Il faut éteindre le NS, étendre plutôt le NS attribué de string pour supporter un string convertible et nous retourner, vu que chaque élément ici, c'est, il faut que notre NS mutable string, il aura cette capacité. Alors derrière, on va retourner un attribut de string. Attributed string. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut retourner un NS attributed string à partir de self. Et je pense théoriquement on sera bon sur ce sujet. Ouais. Quelle note convert? Il n'y aura pas de souci. Point convert, ouais. Pense que ici on est bon. Les composants, normalement ici on a un convert de ns attributed string et le string avec le self. Peut-être que je dois faire ici comme ça. Ouais. Ça sera mieux comme ça, ouais. Je pense qu'on est bien. Ouais, but succeed. Ici, on a fait une conversion de NS attribut de string en utilisant le NS attribut de string à la base de lui-même. Et aussi, il faut bien sûr étendre le string. On ne peut pas s'en passer de ça. Malgré que si on s'en passe de ça, vous aurez des problématiques ici. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer. Il faut que chaque chaîne de caractères elle se comporte comme étant un string convertible. Et du coup, c'est ça l'utilité de cette extension. Pour que je puisse convertir ça vers un NS attributed string afin de le gérer. Là, on rebuild une autre fois. On va essayer de jouer ici avec les valeurs et relancer le build. Et voir, vous voyez que c'est bon. C'était tout pour cet exemple. On a voulu un petit peu rendre notre code plus générique, si on peut dire, sans l'utilisation des types alias. Ah, peut-être que j'ai loupé ça. Il faut enlever le. Pas besoin d'avoir ce type alias. On peut jouer comme on veut sur les résultats. Et on est dans une écriture. Plus sympa sans l'utilisation un petit peu de ce texte, de ce préfixe qu'on a créé. Et dans la prochaine épisode, on va essayer d'approfondir encore cette approche pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle ajouter des attributs de key sur le pour formater les données, Hello World, etc. Ces textes-là, Hello World, Result Builder, etc. d'une manière plus élégante, en ajoutant de formatage encore de données, mais toujours à la base de notre langage qu'on utilise maintenant, qui s'appelle, on peut dire, un attribut de String Builder. Merci à vous et à la prochaine épisode. Merci.